Mamadou, sois respectueux, sois raisonnable quand même, hein. Faut pas. Ta première phrase, ça commence par des injures. Sois raisonnable. Je ne suis pas là pour injurer, je suis là pour donner des conseils. Donc, sois quand même raisonnable et ne fais pas comme un enfant quand même. J'espère que tu as compris. Sois cultivé. Je suis ici pour donner des conseils à Arafat et sa maman, sa sœur. La go cracra. Donc, sois quand même intelligent. Soyez connectés, donnez-moi une minute s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. C'est juste pour donner des conseils à Didier Arafat et sa mère. Il ne sera pas la peine de clasher, clasher, non. Je ne suis pas dans l'histoire de clash. Je vais donner ma participation en donnant des conseils. Parce que vous qui êtes autour de ces deux personnalités-là, ce n'est pas bien. Vous les conseillez mal et voilà. Ce n'est pas bien d'alimenter les tensions entre Arafat et sa mère. Vous comprenez? Donc, ce qu'on ne peut pas faire à vos mamans, ce qu'on ne peut pas vous faire à vos enfants, ne poussez pas d'autres personnes à le faire. Vous comprenez? Excusez-moi, donnez-moi 30 secondes. 30 secondes et on commence. Moi, 30 secondes. Bon, je pense que les 30 secondes sont déjà presque pleines. Ok, bonjour, bonjour pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Voilà, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, docteur Mordon. Alors, je suis venu devant cette caméra pour tout simplement participer à apporter un petit conseil à un fils et à sa mère. C'est-à-dire le fils qui est une star africaine et même interplanétaire appelée Didier Arafat qui tient voilà, le flambeau du coupé décalé dans notre continent et même partout dans le monde. Et Tina Spencer, à son temps, qui avait été une star vraiment pas possible, qui nous avait inspiré, on l'avait aimée à son temps pendant qu'elle régnait, on avait aimé ses musiques et tout ça. Dieu merci, Dieu lui a donné un joli bébé qu'on appelle Arafat Digué, qui lui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il s'est battu, il n'a pas baissé les bras et aujourd'hui il est devenu quelqu'un dans sa vie. Donc tout ce qu'on peut faire d'abord, je remercie le bon Dieu de nous avoir donné ces deux grandes personnalités qui viennent précisément de la Côte d'Ivoire. Mais nous voyons dans ces temps-ci ces deux personnalités se clashent, c'est-à-dire la mère et son fils. Ce clash, ce n'est pas une bonne image, ce n'est pas une bonne leçon pour la génération future, vous comprenez?
D'accord. D'abord, je vais commencer par Arafat Diggé. Arafat Diggé, vous savez, mais je vais te tutoyer parce que tu es un ami garçon et tout ça. Tu sais, mon frère, tu es un homme, je le sais. Peut-être que tu n'as pas connu l'amour de la mère. C'est ce qu'on appelle l'amour de la mère, tu n'as pas connu ça. Peut-être aujourd'hui tu as réussi. Mais tu penses à ton passé. Tu as vécu des choses atroces. Tu as eu une vie pénible pendant que tu étais enfant, c'est-à-dire ton enfance n'a pas été facile. Et tu as vu certaines choses que tu n'arrives même pas à cautionner jusqu'à aujourd'hui. Toi, Arafat Diggé, Dieu n'en dit ce qu'on vient pas. Mais à un moment donné, tu dois savoir que Tina Glamour, pour ne pas dire Tina Spencer, c'est ta propre mère. C'est celle-là qui t'a mise au monde. C'est celle-là qui a gardé ta grossesse pendant 9 mois. C'est celle-là qui a eu mal de ventre. C'est celle-là, avant de te mettre au monde, elle a souffert. Elle a eu la douleur du bas-ventre. C'est celle-là qui a souffert pendant que tu étais au sein de son ventre. Elle a souffert. Voilà, il y a eu des maladies qui l'ont attrapée, tout ça, mais cela ne l'a pas empêchée de faire un avortement. Elle a conservé cette grossesse pour qu'aujourd'hui, elle puisse mettre Arafat au monde. Même si, arrivé un moment, elle a fait des Même si arrivé un moment, elle a fait des bêtises dans sa vie et que tu te sentais abandonné, je comprends, mais il faut savoir aussi que c'est la situation dans laquelle peut-être elle vivait, c'est ça qui l'avait poussée à son temps à te délaisser. D'après ce que tu as dit dans ta vidéo, que non, ta mère te laissait chez ses copains et tout ça. Mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses. Mais tu devais comprendre que peut-être la situation qu'elle vivait, c'est ça qui la poussait. Parce que imaginons de nos jours, les filles, leur propre volonté, ce n'est pas de sortir dans les rues, ce n'est pas d'aller se vendre, ce n'est pas d'avoir plusieurs mecs. C'est parce que les moyens ne sont pas là. Elles n'ont pas assez de moyens, donc elles sont obligées d'aller dans les bras de plusieurs mecs. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et aussi, il y a certains cas qui ne sont pas simples. C'est-à-dire, tu peux tout avoir, tu peux être une grande star, tu peux être millionnaire ou milliardaire, mais au sein de ta famille, si des gens te lancent des sorts, alors avec tout ton argent que tu as, avec tout le nom que tu as, avec cette image et cette vision que l'humanité entière a pour toi, en tant qu'une star. Mais vous devez savoir que dans nos familles en Afrique, eux, ce sont des choses qui sont régulières. On peut te lancer un sort pour dire, toi, malgré ton argent, tu ne peux rien devenir. Malgré ton argent, tu vas te promener de garçon à garçon. Ou bien malgré ton argent, tu vas aller de femme à femme. Tu ne vas pas te marier. Ou bien malgré ton argent, même si tu restes avec ton mec, tu vas toujours le tromper. Et en Afrique, c'est un cas. Toi, Arafat, dis que tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas reconnaître cela. Tu ne peux pas dire que non, tu ne connais pas ces choses-là. Alors, si tu te sentais délaissé, attends que pendant que tu étais petit, mais il fallait reconnaître comme tu as grandi. Si tu n'as pas reçu l'éducation de ta mère et de ton frère, oui, ça fait mal à un moment donné. Mais Dieu merci, la rue t'a éduqué. Et Dieu merci, tu as pris le bon chemin, c'est-à-dire tu t'es battu pour être un artiste, un homme, un drogué, un voyou, un agresseur, un voleur. Non, tu as choisi le bon chemin. Et aujourd'hui, les gens, ils te voient. Et quand ils voient ta mère, on dit, ah, c'est cette dame qui a mis ce joli gosse au monde. Et ça fait sa fierté. C'est-à-dire, ton image fait la fierté de ta propre mère. Mais si tu avais vu, ou bien si tu vois que non, elle t'avait laissé pendant que tu étais jeune, pendant que tu étais bébé, mon frère, il faut laisser tout tomber. Il faut laisser tout tomber. Peut-être ça vient de sa propre volonté. Ou bien peut-être au sein de votre grande famille, les gens lui ont lancé un sort pour ne pas qu'elle s'occupe de toi, pour qu'elle aille. Voilà ce que j'espère que tu as compris là où je voulais en venir. Donc nous sommes en Afrique. Il ne faut pas oublier. Nous sommes en Afrique. Et si elle a eu un comportement belliqueux vis-à-vis de toi pendant que tu étais bébé, il ne faut pas ignorer que nous sommes en Afrique. Peut-être les gens ne voulaient pas qu'elle s'occupe de toi,
Peut-être c'est un sort qui lui avait été lancé. Et donc, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle faisait du mal à son propre fils. Oui, parce qu'une femme qui n'a pas reçu un sort de quoi que ce soit, une femme qui est normale, ne peut pas laisser son enfant souffrir. L'enfant que toi-même tu as porté, 11, 9 mois, voit cet enfant souffrir. Non, peut-être c'est ça le cas. Peut-être les gens lui avaient lancé un sort. Toi-même, tu l'as dit dans tes propos, que non, elle a commencé avant toi. Et aujourd'hui, toi, tu as eu la gloire qu'elle. Alors, pourquoi tu ne te poses pas des questions? Elle a commencé avant toi. Depuis que Oufou Boye vivait, elle avait commencé. Or, à son temps, là où elle avait commencé, pendant que Oufou vivait, tous ceux qui avaient commencé, ils avaient de l'argent. C'était, ils étaient riches. Mais pourquoi aujourd'hui, voilà, Nabel ou quoi, là, celle qui se trouve en France, les Caramona, je ne sais pas, il y a plusieurs vedettes. Voilà, la mère de Che Guevara, il y a plusieurs, mais elles ont l'argent. Mais si aujourd'hui, ta vieille souffre, il faut le savoir. Est-ce que c'est elle qui a voulu cette souffrance? Est-ce que dans votre grande famille, il n'y a pas quelqu'un qui fait souffrir ta mère? Mais comme toi, tu as eu la chance de ne pas subir ce même sort. À toi, maintenant, Arafat Digué, de faire un effort pour voir où est le mal. Qu'est-ce qui fait ta maman à se conduire, à se comporter de la sorte? Qu'est-ce qui la pousse? À toi de te battre pour voir. Il faut te rattraper, il ne faut pas te dire comment tu as manqué un amour de la mère et de ton père. Donc, tu vas leur rendre la même monnaie. Non, mon frère, tu es un frère. Moi, je ne peux pas conseiller un Ivoirien d'être en guerre avec sa famille, avec sa mère. Non, de la manière que tu le fais, le monde entier, tu es une star. Est-ce que de la manière tu te comportes avec ta mère, est-ce que tu penses qu'arriver quelque part, les gens ils vont te devoir de respect? Ils vont bel et bien te respecter. Mais en voyant ça, ils ne vont pas respecter ta mère. Ils ne vont pas respecter ta mère et ce n'est pas bien aussi. Tu comprends, mon frère? Ce n'est pas bien. S'il y a des gens qui sont autour de toi, qui ne te disent pas la vérité, normalement, ceux qui étaient autour de toi, ils allaient te dire, ah, quels que soient les parents de ta mère, il faut te calmer. Il ne faut pas lui rendre la monnaie. Il ne faut pas faire une vidéo pour lui parler. Il faut l'appeler. Appelle-la, tu as son numéro, mon frère. Même si elle a fait une vidéo, et qu'elle a ton numéro, si elle n'a pas respecté son petit, son enfant, son bébé, si elle n'a pas respecté son bébé et qu'elle a fait une vidéo au grand jour pour t'afficher sur le plan international à ton tour, tu ne dois pas faire une vidéo, mon frère. Appelle-la. Si elle ne veut pas décrocher, appelle, peut-être elle a des amis, ou bien son mari, ou bien si elle a un copain, prends ton courage. Appelle son ami, voilà. Ou bien si elle a des copines, ou bien si tu sais qu'elle s'attend bien avec quelqu'un, quelque part que tu connais, et qu'elle a un grand respect pour ce dernier, ou bien pour cette dernière, appelle la personne et explique à la personne que non, ce que ta mère vient de faire, tu n'es pas content du tout. Tu as vu la vidéo. Mais quand c'est ta mère, tu as mal au cœur. Mais comme elle est ta mère, c'est elle qui t'a mise au monde, tu es incapable de faire une vidéo pour l'afficher. Mais tu lui demandes pardon. Que non, il ne faut plus jamais va faire une telle vidéo. Tu ne veux plus qu'elle t'humilie. Tu ne veux plus cela. Et que toi, tu ne veux pas faire pareil comme elle. Donc, si possible, que lui il fasse un effort pour te mettre en contact avec ta mère, pour que tu puisses parler à ta mère directement. Même au téléphone, si elle te dit des mots secs, si elle te parle mal, il faut calmer ton sang-froid. Calme ton sang-froid. Elle parle. Si elle finit de parler, tu dis, ah maman, tu as fini, laisse-moi au moins 2 minutes pour que je puisse m'exprimer. Je t'ai attendu, je t'ai écouté. Donc, laisse-moi au moins 2 minutes, je vais m'exprimer. Et quand tu vas commencer, tu lui dis, maman, calme-toi, même mes propos que je vais tenir ici, au téléphone avec toi, si tu vois que ça t'a frustré, pardonne-moi d'avance. Mais écoute-moi, est-ce que de la manière tu m'as affiché sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est normal de toi à moi, en tant qu'une mère, est-ce que tes propres amis, femmes, est-ce qu'elles font ça à leurs propres amis, à leurs propres enfants? Pourquoi toi, tu me le fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Où est le mal? Qu'est-ce que je t'ai fait?
pour que tu puisses faire cela. Et elle va te dire, tu dis, parle-moi sincèrement, en tant que maman et son fils, parle-moi ce qu'il y a. Ce que je t'ai fait et puis tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je ne te donne pas de l'argent? Est-ce que c'est pour cela que tu es frustré? Ou bien, est-ce que je t'ai manqué du respect quelque part? C'est pourquoi tu es frustré? Ou bien quelqu'un t'aurait menti que j'ai mal parlé de toi? C'est pourquoi tu es frustré? Je veux que tu me dises tout. Oui, ta mère, de la manière je la vois, c'est une femme qui ne doit pas cacher quelque chose à Arafat. Elle va te dire ce qui ne lui plaît pas envers toi. Elle va te dire les secs, c'est-à-dire c'est bon. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu apprécies. Et tu lui dis, bon, j'ai attendu, mais je ne veux plus que tu me refasses. Toutes les paroles de malédiction que tu as employées envers moi, il faut prendre de l'eau, matin bonheur, et verser cette eau pour dire, je redis mes paroles que j'ai utilisées. Voilà, ces propos qui ne sont pas bien que j'ai employés, je redis ces mêmes propos pour dire, je bénis mon fils. Voilà, Arafat, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si tu as fait ça, ça ne peut pas couper ton bras. Là, tu fais ça en privé. Personne ne va vous écouter. Est-ce que ceux qui sont sur Facebook... mon frère Gitalo, je suis en ligne. Après, je t'appelle, s'il te plaît. Merci. Donc, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube, ils ne vont pas voir votre conversation en privé. Et ça serait mieux. Vous comprenez? C'est ce que je voulais te conseiller. Parce que n'oublie pas aujourd'hui, elle parle comme ça, tu as mal au cœur. Je comprends. Elle parle comme ça, quand tu vois ça, tu as mal au cœur. Mais en aucun cas, si Arafat tombe malade aujourd'hui, je ne pense pas que ta propre mère, elle va dire, il n'a qu'à mourir, je m'en fous de lui. Voilà, il n'a qu'à mourir. Elle va te voir coucher sur le lit d'hôpital et puis elle va vraiment taper les mains et dire, oui, la mort n'a qu'à venir prendre mon fils. Non, elle sera la première à courir, à aller vous dire, tu as quoi? Elle-même, elle va pleurer. Elle va voir ton état, que tu es malade, elle va pleurer. Mais c'est parce qu'elle sait que tu es en bonne santé qu'elle parle comme ça. Mais si tu es malade, je ne pense pas qu'elle puisse dire Arafat n'a qu'à mourir. Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas le cautionner. Mais peut-être, c'est des gens qui sont autour d'elle qui la poussent à faire ça. Tu comprends? C'est des gens qui sont autour d'elle qui la poussent à faire ça. Et tu ne dois pas rentrer dans son jeu. Mais, monsieur Alassane, monsieur Arafat Diguié. Tu ne peux pas rentrer dans le jeu de ta maman. Il faut la laisser. C'est une maman. Et tu sais, les femmes, quel que soit on dit, quel que soit l'âge de la femme, c'est facile de la manipuler. C'est ça, toi qui es un homme. Tu es un homme. Quel que soit l'âge d'une femme, un petit peut manipuler une vieille. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Peut-être ce sont tes ennemis qui passent par ta mère pour qu'elles puissent se clasher, parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas te clasher. Donc, ils alimentent les tensions. Mais comme c'est une femme, elle rentre dans leur jeu sans le savoir. Vous comprenez? Sans le savoir, elle rentre dans le jeu de tes propres ennemis. D'après toi, dans ta vidéo, tu as cité des noms. Peut-être ceux-là, ils poussent ta maman à faire des vidéos contre toi, à te maudire, parce qu'ils te voient toujours progresser. Ils te voient, tu pars de l'avant. Ils te voient, tu as l'excès, tu comprends? Donc, eux, comment ils doivent faire? Ils savent que non, quel que soit les médicaments qu'ils vont faire, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Leur maraboutage ne va pas aboutir à quelque chose. Ils ne peuvent même pas aussi te maudire parce que ce n'est pas eux qui t'ont mis au monde. Donc, il faut passer par la mer dans la structure de Arafat Diguié. Et donc, si c'est pour déployer les moyens même pour draguer ta maman, ils sont prêts à tout. Ils vont tout faire pour draguer ta mère, pour s'approcher d'elle et demander maintenant la vie de Arafat Diguié. Comment est-ce que tu prends ta mère en charge? Et quand ta mère va dire, ah, mon fils, ça fait tant, il ne m'a pas encore donné quelque chose, ils vont dire, ah, regardez. Et ils vont maintenant pousser ta maman à te clasher, à te maudire sur toi, à te maudire. Comme ça, tu vas redescendre. Moi, c'est ce que je vois. Donc, à toi de bien parler avec ta mère. Il ne faut pas aussi répondre avec arrogance ou bien lui donner une réponse incendiaire. Non, il fera mieux de parler à ta maman, même si c'est pour la croiser. Si c'est pour quitter, soit si tu es en Europe ou à Marrakech, parce que j'ai vu ta dernière vidéo, tu étais au Maroc lorsque tu l'as fait. Tu peux prendre un vol direct parce que là, il s'agit d'un problème entre tes parents, ceux qui t'ont mis au monde.
Donc, tu prends un vol direct à Abidjan, tu appelles à ta mère, tu dis, je veux m'asseoir avec toi, je veux dialoguer avec toi. Vous rentrez dans la maison, elle est assise devant toi, tu es assis, vous vous regardez droit dans les yeux, c'est pas, je n'ai pas dit, c'est pour, vous allez vous bagarrer, non. Elle est assise, toi tu es assis. Et vous parlez en tant que des grands. Tu lui dis, maman, tu es en face de moi, est-ce que ce que tu fais c'est bien? Tu lui demandes, je ne pense pas qu'elle puisse dire c'est bien. Et puis si elle te dit c'est bien, tu lui demandes pourquoi c'est bien? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je t'ai maudit une fois dans ma vie? Tu m'as mis au monde pour me maudire. Est-ce que si je ne te donne pas de l'argent, est-ce qu'il n'y a pas une manière de me parler? Est-ce que il n'y a pas une méthode que tu peux employer ou bien une stratégie que tu peux emprunter pour pouvoir essayer de me faire comprendre? Comme ça, je vais me retourner vers toi et te reconnaître en tant que ma propre mère congénitale pour que je puisse donner ce que je gagne ici, partager ça avec toi. Mais je pense que ça va être mieux si tu fais cela. Mais il ne sera pas la peine de venir devant les caméras. Non. Tu vois de l'autre jour, ceux qui sont autour de toi là, eux, ils ne peuvent même pas permettre que tu insultes leur propre mère. Mais par contre, ils t'acclament quand tu insultes ta mère. Tu vois comme l'homme noir est idiot. L'homme noir, il n'est pas bon. Ceux qui sont autour de toi, demain, si tu es malade, ils vont te fuir. On dit, c'est dans les moments difficiles qu'on connaît son vrai ami. Il ne faut pas regarder les gens t'alimenter avec ta propre mère. Ta mère, elle reste ta mère. Si elle est folle, si même elle est insolente, ta mère, c'est ta mère. Même si elle a un bras coupé, mon frère, même si elle a un œil cassé, ta mère, c'est ta mère. Même si elle est vilaine, que toutes les femmes du monde, et que tu sais que c'est cette vilaine femme qui t'a amené au monde, elle reste toujours ta mère. Il ne faut pas humilier ta mère, mon frère. Ta mère demeure ta mère. Arafat, c'est ça. Imagine, c'est comme si toi, tes enfants que tu as mis au monde, c'est comme si tes enfants que tu as mis au monde, dont je valise, appelle-moi sur mon autre Facebook. J'ai deux Facebook, appelle-moi sur l'autre. Attends, je vais essayer de te faire signe. Je vais essayer de te faire signe. Veuillez m'excuser. Voilà. Comme ici, je suis en ligne et tout ça. Donc, vous comprenez? Oui, mon frère. Oui, allô? Ouais. Ça va bien chez toi? Ouais. Allô? Ah bon, c'est lequel? Oui. Ok, pardonne-moi, excuse-moi. Sinon, moi, ma vision, je me suis dit, faire une vidéo sur lui, c'est comme si tu lui donnais assez d'importance, assez de considération. Voilà. Donc, c'est comme ça, j'ai vu ça, mais bon, si.
Ok, pas de souci, mon frère. Vraiment, excuse-moi et je présente encore mes excuses si mes propos t'ont vraiment blessé. Je n'ai pas commenté ça dans ce sens, mais bon, c'était juste pour te dire que non, il ne faut pas faire une vidéo sur lui, que tu lui donnes assez de considération et tout ça. Donc, voilà, donc. Ok. Non, mais quand j'ai vu la vidéo, je lui ai dit, parce qu'au même moment que tu faisais la vidéo, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et Don Giovanni? Et puis, il parle de toi. Il y a quoi? Il m'a dit, non, il t'a clashé. J'ai dit, non, mais arrêtez les clashs. Voilà, je lui ai dit, arrêtez les clashs et c'est pas bien. Ouais, il vient de te clasher. Donc, je lui ai dit, il n'a qu'à arrêter quand même, que ce n'est pas bien arrêter de vous clasher. On veut la paix et tout ça. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Et après, il allait sur ta chaîne, vous regardez, c'est là, j'ai écrit en bas que non, mon frère, il faut laisser tout tomber, il ne faut pas faire une vidéo, il ne faut pas perdre ton temps à faire une vidéo sur lui. Voilà. Donc, c'était pour te dire, il ne faut pas lui accorder truc, de l'importance et tout ça. Voilà. Donc, si bon, ça t'a frustré, faut vraiment me pardonner. Donc, comme je suis en ligne, après on pose, je pense. Ok, merci. Donc, je disais, Arafat Digué, comme je suis déjà déchargé, donc je disais à Arafat Digué, il faut être à la hauteur. Ceux qui sont autour de toi là, je pense que parmi eux, aucun d'entre eux ne peut accepter que tu vilipendes dans sa propre mère. Ah oui, même tes petits danseurs, ils ne vont même pas accepter que tu insultes leur mère. Le jour où tu vas insulter leur mère, tu vas voir, même s'ils te respectaient, tu vas voir comment leurs visages vont se changer. Et après, ils vont te dire, ah vieux père, vraiment, je te respecte, mais tu viens d'insulter ma mère, je ne suis pas d'accord. Personne d'entre vous, c'est-à-dire, tous ceux qui sont autour de toi, ils ne peuvent même pas en aucun cas accepter que toi, Alassane, tu insultes leur maman. Mais eux, par contre, ils te poussent à insulter ta propre mère. Au contraire, ils devraient te donner des conseils pour dire, mon frère, on est avec toi, hein. C'est toi qui nous donnes un peu, hein. Mais on n'est pas d'accord que tu insultes ta mère. Moi, si je suis avec quelqu'un, même si c'est lui qui me nourrit, il n'a qu'à me donner tout. S'il insulte sa mère, je lui dis, peut-être je vais te dire...